donner quelques gestes du quotidien qui témoignent du civisme. Quand on se réveille le matin, quand on sort de la maison, la première des choses qu'on voit, ce sont les voies publiques, donc les routes, tout et tout. Il ne faut pas balayer, on va aller chez nous pour aller verser les ordures sur le goudron. Il ne faut pas laisser les eaux usées qui sortent de chez nous à la maison pour aller détruire le bitume. Il ne faut pas aussi, lorsqu'il y a des manifestations, exprimer sa colère en allant casser les bus. D'abord, c'est de se respecter soi-même d'abord, parce que quand tu te respectes, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Voilà. Donc, tu te respectes d'abord, tu respectes les autres, et aussi tu respectes les biens d'autrui, comme les biens gouvernementaux aussi. Ne pas détruire, que ce soit les bus, les bancs ou bien des infrastructures qui ont été construites pour tout le monde, non pas pour une seule personne. Comme il y a eu le cas au niveau de la Cannes, par exemple, le des bus, c'était un exemple contre le civisme. Et aussi au niveau des autorités, quand nous avons les policiers, les gendarmes qui nous signalent ou qui nous interpellent pour un certain nombre de choses, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre, d'écouter, de comprendre pourquoi, non pas de se révolter, de penser qu'on n'a plus d'autorité, on est plus grand que la personne. Donner quelques gestes du quotidien qui témoignent du civisme. Le civisme reflète l'engagement actif et conscient des citoyens envers leur pays et leur collectivité, ainsi que leur volonté de contribuer au bien-être général et à l'intérêt commun. Le civisme se manifeste par de nombreux petits gestes du quotidien. Respecter les règles et lois, s'informer et se former, participer activement à la vie publique, favoriser la propreté et l'environnement, être solidaire envers les autres, promouvoir la diversité et la tolérance.